Et bonjour. Alors aujourd'hui, du coup, je vais continuer ma petite série, mes premières fois. Donc aujourd'hui, ça sera sur Russian Car Driver. Donc là, c'est la version HD parce que je suis sur navigateur et non sur Steam. Parce que j'ai un petit souci avec le mode fenêtré, je ne peux pas le mettre. Donc Russian Car Driver qui m'a été donné par Gurdil. Alors on y va. Mais vu que c'est sur navigateur, forcément il va y avoir des pieux. Très sympa. Alors au niveau jouabilité, c'est flèche directionnelle. Donc honnêtement, c'est pas sensationnel. Allez. Mais alors du coup je suis niveau 4 parce que j'ai fail plusieurs records. Donc à espérer que cette fois-ci c'est la bonne. Allez du coup. Non, non. Alors j'ai évité l'ours parce qu'en fait l'ours on se le prend. Comme vous avez pu l'apercevoir, il y avait une voiture de police. Et dès qu'on dépasse les limitations de vitesse et qu'on passe devant une voiture, la voiture nous poursuit. Donc là, pour l'instant, je me balade en attendant que la mission pop, en fait. Oh là, on aurait dit qu'il y avait un trottoir entre nous. Magnifique. Ouais, donc je disais, il faut que j'attende que la mission elle pop. Parce que sinon pour l'instant je suis en mode libre. Mais non, mais c'est une blague. J'étais à 60. Parce que, à savoir que la police, si vous passez devant. D'accord. Si vous passez devant et que vous êtes au-dessus de la limitation de vitesse. Forcément, vous êtes poursuivi, sinon c'est pas drôle. C'est magnifique. Sachant que là, apparemment, les limitations de vitesse sont entre 40 et 60. Ah, je suis passé à 40 devant la voiture de police. Alors, il y a une mission que je suis très déçue de ne pas avoir pu vous montrer. C'est une mission en fait où on nous demande de rejoindre des gens en urgence parce qu'il y a eu un problème. Et en fait quand on arrive, quand on rejoint ces fameux amis, il y a une personne à genoux avec les mains attachées dans le dos. Jusque-là, c'est un petit peu bizarre, mais ce qu'il est encore plus, c'est qu'on nous dit, il faut que tu l'attaches sur ton capot et que tu roules à 100 km/h pour lui faire peur. Ah, ça y est, la mission à pop. Et ce que j'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment drôle, c'est que j'ai trouvé que ça faisait un petit clin d'œil à, je crois que c'est GTA Vice City. Où il y avait ce genre de mission. On avait une personne accrochée à notre capot qui faisait ça du coup. Ah. Voilà, vous voyez une zone bien spécifique pour lancer la mission. Mais comme il n'y a pas de frein, faut vraiment réussir à bien le gérer quoi. Voilà. Et vu que je suis sur navigateur, j'ai des pubs. Ah oui, non, pas celle-là. Cette mission, en fait, hier, j'ai pas.
J'ai pas réussi parce qu'en fait, faut passer par des checkpoints à plus de 100 km/h. Donc du coup, c'est un petit peu gênant parce que, comme vous voyez, la maniabilité est pas géniale. Bon, je suis pas obligée de rester sur la route, hein. Par contre, en revanche, faut vraiment que je passe les checkpoints à 100 km/h. Sachant que parfois, juste à côté des checkpoints, et ben, y a des, y a la police. Vous voyez là, par exemple, je sors du checkpoint et j'ai la police. Et je préfère éviter en fait de sortir de la route. Non mais on dirait que la route en fait elle est plus haute que l'herbe, c'est. Vous voyez, hop. Ça me l'a pas compté. J'étais à plus de 100. Pourtant. Bon alors. Maniabilité quand tu nous tiens. C'est génial, ce jeu est génial. Allez. Ah là, je l'ai eu. Je comprends pas pourquoi, mais l'autre, je l'ai pas eu. Oh là là. Allez! Donc apparemment il y a une dizaine de checkpoints normalement. Ah oui, alors à savoir que la police ne vous poursuit que vous passez. Est-ce que si vous passez dans le même sens qu'elle? Si vous passez dans le sens inverse, bah, elle s'en fout un peu en fait. Allez, vite. Allez, allez. Ça m'énerve. C'est bien sûr. Les voitures qu'on croise n'avancent pas. Allez, normalement là, celui-là, je l'ai aussi. Ouais. Allez. Voilà. Non mais. Voilà, je le savais. J'en étais sûre. Parce que du coup, à savoir aussi que si jamais vous êtes bien bien à l'avance sur la route et qu'il y a une voiture qui arrive en face, la voiture ne s'arrête pas, bien évidemment. Mais. Sérieusement? Gurdil, je sais que tu vas m'écouter, que tu vas me regarder. Je te hais pour en donner ce jeu à faire. Non, mais non, mais. Mais ce jeu. Mais ce jeu. Allez, allez, allez. Et voilà, ça ne l'a pas compté du coup. Une voiture qui arrive. Voilà.
T'as qu'à faire, on va essayer de faire les deux en même temps. Hein. On va essayer de prendre assez d'élan. Hein. Allez, repart en marche avant. Je sais pas si je suis allée assez loin en fait. Pour prendre la vitesse. Ah si, c'est bon. Heureusement qu'il n'y a pas de... timer. Non, 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 non. Oh, ça m'énerve. Allez. Je vais essayer comme ça parce que celui-là, je... Non, ça passera pas. J'aurais clairement pas assez de vitesse. Allez. Pas cette vitesse non plus. Ah, ça m'énerve. Ah ouais, ici c'est limité à 40. Alors comment je suis censé prendre la vitesse si c'est limité à 40 et qu'il y a la police juste avant? Je vous demande, hein. Allez. Allez, dis-moi que celui-là est bon. Dis-moi que celui-là est bon. Dis-moi que celui-là est bon. Il est bon. J'étais à 100 km/h et le poteau il plie pas. C'est génial. Ce jeu est russe. Je sais pas si je vous l'ai dit. Ce jeu est russe. On aime. On aime. Allez, plus que deux. Plus que deux. Alors, à savoir que hier, quand j'ai record, j'ai arrêté justement à ce checkpoint-là. Parce que et il m'en restait plus que 4 à faire. J'ai arrêté à ce checkpoint-là parce que j'en avais marre. Ah. Dommage. Allez, allez, ah, je suis recherchée. J'ai raté le checkpoint? Ou ça se passe comment? Et je suis recherchée par la police. Alors, à savoir aussi que si vous êtes recherchée par la police et que la police vous arrête pendant que vous êtes, pendant que vous effectuez une mission, ça fait échec de la mission et il faut tout recommencer. Ah, j'ai pris un niveau. On va augmenter la vitesse hein, parce que sinon c'est pas drôle. Non, en plus il était juste. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. En plus il y a la police juste avant. C'est génial. Hein. Allez. Allez, 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 allez.
donc pendant toute la vidéo, je vous aurais montré qu'une seule mission. Alors que sur mon record que j'ai raté, j'avais pu en faire 3. Après, celle-ci est particulièrement longue, hein, du coup. Hein. Comparée aux autres, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus longue. Non. C'est une blague. Et par contre, je suis passée très vite devant la police et la police ne m'a rien dit pour une fois. C'est pas mal. Alors là, la terre, elle est plus foncée parce qu'en fait, c'est un chemin. Alors je vois pas du tout ce qui m'a fait ralentir. Mais c'est pas grave. Ce jeu, des fois, il y a comme des cailloux invisibles ou je sais pas, enfin... C'est génial. Donc, Gurdjieff, je ne te remercie pas pour ce jeu. Allez. Non mais non. Ah, j'en ai marre. Allez. Cette fois-ci, c'est la bonne? Cette fois-ci, c'est la bonne. Allez. On se prend rien. Juste parce que je l'ai passé en dessous des 100. Juste pour ça. Ah, ça m'énerve. Allez. Donc cette fois-ci n'était pas la bonne. Elle est ralentie, ça. Allez, 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 allez. C'est une blague. Ce jeu est en train de me tester. Mais si j'essayais de le passer autrement que sur la route, en fait, il y aurait peut-être éventuellement moyen. Là, techniquement, je suis allée relativement loin, donc ça devrait passer. Je sentais quand même énervée cette mission. Mais genre vraiment. Vraiment la mission qui t'énerve parce que tu sais que normalement tu l'aurais réussi. Mais que le jeu il te dit non. Non, non. Allez. Tant je pensais qu'améliorer la vitesse m'aiderait beaucoup plus. Et en fait, je vois que... Que pas du tout. Non mais... On va essayer autrement. Ce que je vais faire, c'est beaucoup plus risqué, mais on va essayer autrement. Enfin, je vois pas quoi. On va essayer comme ça. Ah oui, mais non. Ah, ça m'énerve.
Vous le sentez que ça m'énerve? Moi aussi, ça m'énerve. Allez. Allez. Et il y a un truc aussi que j'aimerais bien. On ne fonce pas dans les ours parce que les ours, on ne peut pas les écraser. En fait, c'est eux qui nous poussent. Bon, eh bien, on va emmener en balade un lampadaire. Est-ce que ça vous tente? Ah, lui, apparemment, ça le tente pas. Bon, vous savez quoi? La mission, elle veut pas. Alors qu'on a tout fait correctement comme il fallait. Ça fait 20 minutes. Du coup, que j'ai lancé l'enregistrement. Donc je pense qu'on va s'arrêter là avant que je m'énerve vraiment sur ce jeu. Hein. Donc, du coup, le jeu de la semaine prochaine, ce sera Last Day of June. Donc voilà. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine.